Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Z, AOZ. Les amis, j'ai été lâchement et sournoisement attaqué. Ma ville a subi plusieurs assauts. On va voir ça tout de suite ensemble. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, vous l'avez en lien en description de toutes les vidéos, en deuxième lien, car le premier lien, c'est pour télécharger le jeu. N'hésitez pas à le télécharger, à le tester, vous verrez, ça fait plaisir. Et puis, vous pourrez utiliser, si votre compte vient d'être créé, du moins au mois de décembre, le redeem code PATATOU, avec un P majuscule, P-A-T-A-T-O-U. Et vous aurez quelques petits cadeaux qui font plaisir pour commencer le jeu. Alors, je vous disais, j'ai été attaqué. Alors, j'ai pas compris tout de suite que j'avais été attaqué. Pour tout vous dire, j'avais des ressources. Je ne pense pas avoir eu beaucoup de ressources. Mais quand j'ai été dans rapport de combat, j'ai vu que j'ai mangé SOS Anacédian a envahi mon ville principale. Alors, la traduction, là, elle est un petit peu à l'arrache. Et donc, regardez les SOS. Eh bien, ils m'ont bien attaqué. Hein. Là, ils m'ont bien déboîté. J'ai pris tuer 744, perte de puissance 14 000, perte de puissance moins 41 000, 6 000, 1000, 29. Et puis après, je perdais plus rien. Et juste, tout simplement, ils me dépouillaient de toutes ces ressources. Hein. Le premier est celui, l'un des qui m'a le plus dépouillé. J'avais pas assez en défense. Le mec, il m'attaque avec 53 000 unités quand j'en ai à peine 10 000. Donc, ils m'ont bien défoncé. D'ailleurs, ça m'a permis de commencer à comprendre comment fonctionnait le rapport de combat, mes unités qui étaient tuées. Ils m'ont bien défoncé. Hein. J'ai soigné un maximum. Unité survivante, 4 000. Unité ennemie tuée, perdu 0. Alors, si j'ai bien compris, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si j'ai bien compris, lorsque on est attaqué, eh bien, on n'a pas d'unité qui meurt. L'ennemi peut en avoir, mais nous n'en avons pas. C'est plutôt très positif, hein, bien évidemment. Mais j'ai pas vu de troupes tuées chez moi. J'en ai vu chez l'adversaire. Hein, il a perdu 170 unités, par exemple. Mais moi, 0. Je me trompe peut-être, mais je pense avoir tout récupéré. Et je pense avoir récupéré ma puissance. Je maîtrise pas encore tout. Hein, comme vous le savez, j'ai commencé le jeu récemment. Je maîtrise pas encore tout, ni tous les codes. Mais ça va aller vite, hein, puisque je claque pas mal de monnaie AOZ. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré ce qui était pour moi le plus intéressant en termes de pack. Donc j'en achète pas mal, j'ai encore pas mal d'or en stock. Heureusement, l'or, ils ne peuvent pas me le voler. Vous avez vu, si on regarde les rapports, les seules choses qui m'ont été prises, et c'est déjà pas mal, hein, c'est des ressources uniquement. L'or n'en est pas considéré comme une. Ça aurait été la loose de ouf si j'avais perdu mon or, parce que l'or, c'est des euros, hein, c'est de la vraie monnaie, et on n'est plus dans le virtuel. Du coup, je me suis dit, et là, c'est là que vous allez pouvoir m'aider les amis, je me suis dit comment bien se protéger. Alors évidemment, pour bien se protéger, il faut monter vite, il faut monter des troupes hautes, mais ce n'est pas tout. J'ai découvert aussi quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Hein. On a un mur de ville, ça je le savais, hein, qu'on pouvait booster sur bien des points. Regardez, je n'avais jamais pris la peine de le faire, mais il y a, alors là vous allez dire c'est un truc de ouf, mais je ne l'avais pas vu. Il y a plusieurs types de tours de défense, hein, au niveau du mur. Il y a les tours de défense mitraillette que j'ai là au maximum. Je ne peux pas aller plus haut sans passer mon mur de ville niveau 14. Je ne peux pas passer mon mur de ville niveau 14 sans passer mon hôtel de ville au niveau 14. Des tourelles roquettes, pareil, hein, je les ai augmentées au maximum. Des tourelles d'énergie, cette fois ça sera lorsque j'aurai mon mur niveau 15. Et des tours de défense, des missiles, des lanceurs de bombes, qui cette fois c'est aussi seront au niveau 15 et que je ne peux pas débloquer pour le moment. Donc ça, c'est la première chose à faire si vous voulez éviter de vous faire tabasser. Ensuite, on l'a bien vu, si on regarde le rapport, alors on y retourne et on va regarder pas le rapport d'espionnage, le premier rapport de combat de tous. Hein, si on regarde le premier qui m'a valu de me faire raser, alors lui, c'était pas celui-là. Oh, si on peut regarder, c'était celui-là. Si on regarde ce tout premier rapport, on peut le voir. Hein, ils me prennent bien pour une bonne victime. Hein, on le voit bien. Unité totale, c'est les unités totales qui comptent le plus. Donc c'est pendant la nuit 12 au 13.
Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous barrer de là où vous êtes, hein, puisque moi je suis dans une zone, je dois être proche des SOS, ils doivent être dans le coin où ils ne doivent pas être loin. Donc forcément, si je veux moins de problèmes, il faudrait que j'aille avec mon alliance, sachant que mon alliance, hein, c'est vraiment une alliance que j'ai pris au hasard, je ne suis pas dans une alliance forte. Donc aller avec le terrain de mon alliance, vous voyez, il est ici le terrain de mon alliance. Donc du coup, je pourrais par exemple aller ici où je crois que ici ils sont tous réunis, mon alliance, non, c'est pas ici, 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 ils sont ici, je suis bien, alors là j'ai un doute pour le coup, je suis bien chez les coqs, donc je pourrais aller avec toute mon alliance ici, ce que je vais faire hein, par la suite, ça m'évitera de, voilà, on va le faire tout de suite, je me téléporte ici, ça m'évitera des problèmes par la suite, alors ils sont tous bien en rang, allez, on va aller ici, hop là, alors, regardez, je le fais en live avec vous, on va aller juste, ah bah non, ça apparaît, est-ce qu'il y a une place quelque part? Est-ce qu'il y a une place quelque... Eh mais c'est blindé de ouf par ici. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est bien blindax. Écoutez, je vais aller... Ouais, ici, c'est trop près des hints. Je ne veux pas aller à côté d'une autre alliance qui va me raser. Du coup, est-ce que je peux me remettre là? Ouais, je peux me mettre là, téléporter ville. Regardez, je me mets là et ok, voilà, en espérant... téléport instantané. En espérant que j'ai moins de problèmes cet emplacement. Donc, vous pouvez vous téléporter pour être plus près de votre guildmate, de vos guildmates et avoir moins de problèmes. Augmenter donc le tour de, les tours de votre ville, les tours de votre ville, les tours de défense de la ville. Et aussi augmenter bien évidemment le nombre de troupes que vous avez. C'est pour ça, je vous disais il y a 2 ou 3 vidéos, je vous disais dans les conseils du endgame, on vous dit vous n'avez plus besoin d'autant de troupes, c'est pas les troupes qu'il faut privilégier, etc., etc. Mais bien évidemment, pour bien vous défendre et être à un haut niveau, forcément, il vous faut quand même masse troupes. Donc là, et les troupes le plus haut niveau possible. Donc oui, c'est toujours utile de monter les troupes. C'est même très utile. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Allez, on va aller mettre un petit coup de traitement routinier aussi puisqu'on ne l'a pas encore fait. On met les 2 traitements et c'est réglé. On va se faire une petite tourelle encore, une petite mode tower défense. Là, les amis, puisque j'ai dit que je vais vous en montrer très couramment. Voilà, je suis du mal là. Très souvent, je vais vous en montrer. Je vais vous montrer le mode déferlante sans fin et je vous ferai aussi un mode classique dans une prochaine vidéo puisqu'il y a des choses qui avancent. J'ai essayé d'upgrader les choses pour être le mieux placé. Vous voyez, je suis 1827. Donc pour le moment, j'ai essayé une fois, je suis à l'ouest. Il y a un classement rang de la semaine, rang de récompense, classement précédent. Chaque semaine, c'est reseté. Le premier était déjà Starman, hein, donc il trust la première place. On choisit un mode, hein, boutique d'échange où on peut aller échanger des pièces TD avec des choses très intéressantes ou pas, ça dépend ce que vous avez besoin. Le mode auto, le mode défi, on va partir sur un mode classique, hein, déferlante sans fin, artillerie ou défi, on peut aller en mode fluide, alors ça je ne sais pas ce que c'est et il n'y a pas de précision. Donc où on peut choisir mode auto, le meilleur résultat de la semaine est de 1527 points, le combat auto ignorera le processus de combat pour accorder directement 1527 points et 225 pièces de TD, donc non. Ce n'est pas ce que je veux faire, hein, bien évidemment. Je veux vraiment jouer et vraiment gagner. Donc, on peut aller sur différents modes. Il y a plein de choses hein, que je ne maîtrise pas encore sur les étagères, par exemple. C'est, il me semble, ce que je peux gagner. Hein. Donc, on retourne sur la déferlante sans fin. On revérifie l'artillerie, défi. On y va. Je vais quand même réussir à aller. Les temps de chargement sont un petit peu longs parfois là sur l'écran. Donc, vous le voyez, on va avoir une sortie par là. Je commence, j'ai tout de suite 1000 d'or. Vous le savez, moi ce que je fais, je mets souvent tout de suite des gros canons qui tirent comme ça sur cette zone-là. Je vous ai déjà fait avec vous une map similaire à celle-là. Il faut savoir qu'on va avoir aussi une sortie ici. Donc, il ne faut pas oublier de mettre des lanceurs sur toutes les zones qui sont le plus loin possible pour qu'elles puissent tirer. Vous voyez, par exemple, là, j'en ai mis 2 là. J'aurais peut-être pas dû les mettre là. J'aurais dû privilégier de les mettre notamment ici, là, vous voyez, cette zone-là, puisque c'est celle qui va toucher le plus d'impact. J'en mets ici, j'en mets ici. Ça fait beaucoup de lanceurs de missiles, hein, mais à un moment, on est bien obligé. Donc là, vous voyez, c'est ceux-là qui m'interrogent. Est-ce que je les enlève pas pour les mettre ailleurs? C'est une question que je me pose à moi-même. Ce que je vais faire, c'est je vais upgrader ces deux-là. Vous voyez, lui, je ne l'ai même pas fini. Hein, du coup, et je vais lui mettre un coup de laser ici. Normalement, le laser devrait, je dis bien, devrait l'achever. Mais encore, c'est même pas sûr. Vous voyez, je vais même pas réussir à l'achever. Et lui va réussir à passer. Je ne maîtrise pas encore
bien ce mode. Je manque aussi de puissance clairement pour être efficace, mais c'est pas le mode où je suis le plus fort pour le moment. Là, vous voyez, ces deux là aussi, ces deux tours là, je pense que je pourrais peut-être les mettre ailleurs pour essayer, par exemple, les mettre ici sur cette porte là. Alors, je dois choisir, est-ce que j'augmente un buff de ville, un objet, inflige des dégâts aux ennemis. Allez, je vais prendre un buff de ville et je prends du dégât après cette première salve. J'augmente la vitesse clairement et on va voir pour aller un petit peu plus vite. Est-ce que je vais marquer un petit peu plus de points? Vous voyez, mon record est pas très élevé, hein, vous avez vu, hein, c'est 1500 points. Donc, je suis pas au max du max. Là, on va commencer à avoir rapidement une deuxième porte de sortie. Donc, il faut s'organiser pour éviter que les mobs réussissent à me dépasser. On va passer en x4 parce que c'est un petit peu lent toujours. Et je vais mettre... Et vous voyez, lui, il m'a bien eu là. Hein. Vous voyez, j'avais oublié que ça... Enfin, j'avais pas vu qu'il y avait cette porte de sortie là aussi. Vous voyez, je vais déjà perdre en fait. Ils vont me faire perdre tous mes points. Hein. Lui, là, il va me faire super cher. J'avais même pas fait attention qu'il y avait cette sortie là. Je pensais que ça allait être celle-là, la deuxième. Je reprends des points de vie. Du coup, je suis un petit peu embêté là. Il va falloir que j'arrive à compenser en mettant ici, puisqu'on a les chiens qui sortent et faut pas que je les laisse sortir. Pour le coup, j'en mets une deuxième ici. Je sais pas ce qui lui a rendu de la vie à lui. Mais je suis en PLS encore une fois. Hein. Vous voyez, c'est assez compliqué sur cette zone là. J'en ai marre de voir les scarabées passer. Est-ce que je vais réussir? Non, j'arrive pas à les flinguer les scarabées. Là, ça sent mauvais. J'aurais fait que 1046. Donc, vous voyez, ce premier essai que je vous montre. J'ai été très mauvais. Je vais m'entraîner, vous le voyez, hein, donc ça demande quand même de la stratégie. Je vais m'entraîner. Mon record, il est, donc je suis 1827e, il est de 1500 et quelques points, 1527 points. Je vais essayer, le mode auto a quand même du bon, puisque ça m'aurait permis de faire un score plus élevé que ce que j'ai fait. Je vais travailler cette piste-là, voir les tutos et je vous en reparlerai. Et la prochaine fois, on refera ensemble quelques guerres classiques, puisque le mode tower, c'est vraiment ce qui est bien. Moi, ce que j'aime, et on verra comment avancer. Et je vais essayer aussi d'avancer dans le mode VIP. On parlera d'ailleurs du store VIP également dans une prochaine vidéo. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo sur Edge of Z. J'espère qu'elle vous aura plu, les amis. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis, si ce n'est pas encore fait. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous, les amis, pour vous abonner à la chaîne? En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un très bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur AOZ.